Bonjour. J'ai enfin pu sélectionner un des plus beaux chalets de toute la vallée de Chamonix, que je vais avoir un immense plaisir de vous faire découvrir sans plus tarder. Au préalable, je fais juste un petit retour sur l'extérieur. On y reviendra après. Il y a un magnifique terrain de 4000 m², deux emplacements pour les voitures qui sont complètement couverts. Et puis, vous rentrez dans le chalet avec déjà un premier sas où vous pourrez déposer tout votre matériel de ski, évidemment. Maintenant, nous voici donc sur la partie basse du chalet. Alors tout de suite ici sur la gauche, vous aurez un hammam à votre disposition. Il y aura également une très belle pièce buanderie avec un chauffe-chaussure. En continuant, vous allez découvrir les deux premières chambres. Donc ils sont toutes équipées avec salle de bain ensuite. Donc celle-ci est avec un grand lit matrimonial. On reviendra au niveau des prestations qui ont été utilisées, c'est absolument superbe, tout est en vieux bois. Donc chaque locataire aura à sa disposition un écran plat avec des DVD qui ont été placés très judicieusement au niveau de la tête de lit. Donc vous avez toutes les télécommandes à votre disposition. Toujours voilà, par souci de rangement, mais vous verrez que sur les 350 m² que compose ce chalet, vous avez des penderies dans chaque chambre évidemment, dans les couloirs. Donc le détail des salles de bain a été vraiment poussé à l'extrême. Là vous avez une magnifique pierre, des galets. Donc tout autour. Toujours cette recherche, vous voyez, entre la partie vieux bois, ardoise, au niveau du plan de la salle de bain, des magnifiques basques design, une très belle décoration. Et évidemment, toujours ces extérieurs. Donc on est placé dans la plaine des Prats, au Tine. Exactement, et on aura vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a une vue à 360 degrés. Donc en l'occurrence, en face de vous, ce sont les Drues, et puis le début des aiguilles de Chamonix, avec une orientation plein sud. Et puis vous voyez déjà le terrain qui est arboré, donc de 4000 m². Ça sera un véritable bonheur également à la belle saison, printemps, été, et puis automne. Donc maintenant de la première chambre, on va se diriger sur la chambre numéro 2. Donc on trouvera toujours les mêmes finitions. Avec autant de goût, toujours alors au niveau des prestations, donc un écran plat. De nouveau on revient sur la partie DVD, télécommande. Penderie, de nouveau une salle de bain attenante, toujours également une toilette dans chaque salle de bain, porte-serviette, etc. Donc tout est à votre disposition, on installera les baignoires. Donc maintenant de ces deux chambres, et souvenez-vous qu'également il y a un sauna, puis tout ce qui est destiné à la partie ski, on va se diriger maintenant sur le niveau rez-de-jardin, où on va découvrir tout de suite la magnifique cuisine et puis le magnifique séjour. Vous voyez, on est toujours dans ce même esprit. Alors voilà, tout de suite là, le coin cuisine. Donc évidemment, tous les éléments à disposition, un frigo, un magnifique piano, la marque très connu des connaisseurs et des amateurs de bonne cuisine. Donc je vous laisse également apprécier toutes les baies vitrées, puis les magnifiques ouvertures. Donc un îlot central, voilà, une machine à laver la vaisselle évidemment, un double four. Voilà pour la partie un peu plus contraignante peut-être des vacances que la cuisine, mais il y a quand même une magnifique vue pour la personne qui s'occupera de la vaisselle. Donc maintenant la partie séjour, salle à manger,
une très très belle table en vieux bois, bois massif. Donc tout ceci, vous voyez, est a été fait vraiment en vieux bois. Donc maintenant, on va se diriger de la salle à manger sur le coin séjour. Partie détente, une magnifique cheminée centrale, hein, tout en pierre de taille. On aura pour la partie détente une magnifique télé à écran plat. Donc tout a été simplifié au niveau de son utilisation. Il y a également Canal+, toutes les chaînes via le satellite, télécommande simplifiée, etc. De très très beaux canapés pour votre confort. Alors par cette ouverture, vous avez évidemment en face de vous le magnifique Mont Blanc, mais surtout on devine un jacuzzi extérieur. Donc il a énormément neigé ces derniers jours, mais la terrasse est absolument magique puisqu'elle fait plus de 120 mètres carrés. Et puis les propriétaires, pour votre confort, ont mis un jacuzzi. Donc on continue toujours à profiter de cette magnifique exposition. Donc voilà la terrasse, le jacuzzi de nouveau, et puis en face de vous se déroulent les sommets mythiques de cette vallée de Chamonix. Maintenant, on va quitter ce niveau qui est entièrement dédié, comme vous pouvez venir de le découvrir, à la cuisine, la partie salle à manger et puis surtout le coin détente, terrasse jacuzzi. Sur le troisième et dernier niveau qui va nous permettre de voir ensemble les trois chambres qui viendront compléter tout le chalet. Donc, si vous voulez bien me suivre, je vous laisse apprécier au passage le détail de l'escalier. Qui est déjà d'une largeur magnifique, mais surtout tout en vieux bois, et puis ajouré. Donc tout de suite en face de la montée d'escalier, une première chambre, qui elle sera toute réservée aux enfants, puisqu'elle a été faite en vieux bois, et surtout en deux lits superposés, comme à l'ancienne. Donc toujours une recherche au niveau évidemment des ouvertures, hein, pour la lumière naturelle. Donc là on regardera le haut de la vallée, on est exposé plein est, donc le soleil qui pénétrera dès le matin pour un réveil tout en douceur. Alors de cette chambre avec deux lits superposés, donc destinés plus ou moins aux enfants, on va se diriger sur la chambre d'à côté qui elle sera faite avec un grand lit. Mais ces deux chambres auront la particularité d'être connectées toutes les deux par une toilette et surtout par une salle de bain, donc communicante. Donc vous voyez, toujours de magnifiques couloirs, vraiment un très très beau volume et de très très beaux espaces. Donc voilà cette deuxième chambre qui sera connectée. Donc là, les propriétaires ont fait quelque chose d'absolument magnifique. Vous voyez donc les ouvertures. On a des petites fenêtres basses. On aura également, rassurez-vous, c'est l'alarme, juste pour vérifier que tout fonctionne bien. On aura toujours un ouvrant qui va donner sur un balcon extérieur. Et puis pour compléter le tout, s'il n'y avait vraiment pas eu assez de lumière naturelle, il y a des Velux. Donc on va vite regarder un aperçu de cette magnifique salle de bain, hein, souvenez-vous, donc qui va être attenante aux deux chambres. Donc je vous laisse apprécier vraiment le détail. Un mélange extraordinaire entre une décoration, partie vieux bois, toujours en ardoise, hein, le plan de travail, même l'habillage autour de la salle de bain. Et puis vous voyez, au-dessus de nous,
prélasser dans un bon, bien chaud après une belle journée de ski, vous pouvez continuer toujours à apprécier la montagne. Voilà, donc nous en sommes à la chambre numéro 4. Et puis maintenant, on va aller visiter la dernière chambre, qui est la numéro 5. Donc toujours sur le même principe, souvenez-vous également un écran plat, toujours un DVD à votre disposition, des penderies. Et puis autant d'ouvertures, magnifique de luxe. Et puis une salle de bain qui vient compléter avec une toilette séparée, hein, souvenez-vous, dans chaque salle de bain. Donc à présent, la visite va s'achever. Je vous en redonne les grandes lignes, donc 350 mètres carrés habitables, 5 chambres, tout avec une salle de bain privative, un toilette privatif, un hammam, une pièce buanderie avec chauffe-chaussures. Et puis sur la partie extérieure, donc un magnifique parc arboré de 4000 mètres carrés, une terrasse face au Mont Blanc avec son jacuzzi. Donc je vous dis à tout de suite pour réserver des vacances merveilleuses et inoubliables. Merci pour la visite.